We put quality first. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise, au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuats, necmergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la poésie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient tout voile dehors, tout à voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qu'ils prenaient, car c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent des lapins, quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'ombre se refermait. 100 ans après, qu'aucun des sorts il manquait encore. J'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père à peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.